Bonjour et bienvenue sur netprof.fr pour une leçon d'anglais qui va faire décoller votre anglais. Vous allez voir 14 phrases en français à traduire en anglais. Dans toutes ces phrases, vous devrez utiliser les verbes to do ou to make à bon escient. Selon votre niveau de connaissance de la langue, vous pouvez essayer de répondre au fur et à mesure, ce qui vous permet de travailler sur la fluidité et la réactivité, ou bien vous pouvez mettre sur pause pour avoir le temps de réfléchir. Le signal vous indiquera que la correction orale arrive, les phrases sont de difficulté relativement croissante. Alors, je vous propose de commencer. Let's start. Je voudrais faire un exercice. I'd like to do an exercise. Est-ce que je peux faire le lit, madame? May I make the bed, madame? Je dois faire mes courses. I must do my shopping. Je ne sais pas quoi faire la semaine prochaine. I don't know what to do next week. Pourrais-tu me faire une faveur? Could you do me a favor? Nous ferons de notre mieux, monsieur. We will do our best, sir. Il est tard. Ne faites pas trop de bruit. It is late. Don't make too much noise. Je peux passer un coup de téléphone? Can I make a phone call? Ils viennent de prendre la décision de rester. They've just made the decision to stay. Vous ferez la chambre plus tard. You'll do the room later. Nous faisons des affaires avec eux. We do business with them. Ils ont gagné beaucoup d'argent l'année dernière. They've made a lot of money last year. Si tu fais un effort, je suis sûr que tu feras des progrès. If you make an effort, I'm sure you'll make progress. N'avez-vous pas fait une erreur ici? Haven't you made a mistake here? Voilà, bien, erreur ou pas erreur, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie.
et à bientôt.